Bonjour, bonsoir chez vous. Tout dépend de l'heure à laquelle vous allez suivre cette capsule. Bienvenue dans Metanoia, votre rendez-vous de développement personnel qui promeut le changement de mentalité et le renouvellement de l'intelligence. Je suis Aïchatou Boakoumandelo, conseillère en relations d'aide au sein du cabinet Renaissance Consulting. Je suis écrivaine, éditrice et traductrice. Dans cette rubrique, nous nous focaliserons sur ma casquette de conseillère en relations d'aide. Mon travail consiste à accompagner les hommes, les femmes et les enfants dans le processus de guérison de leurs blessures intérieures pour la restauration de leurs âmes. L'âme qu'il sied de mentionner est le siège des émotions, des sentiments et de la personnalité de l'être humain. Je travaille avec des individus, des couples, des familles ou des groupes pour les aider à surmonter les problèmes émotionnels, comportementaux ou relationnels. Mon rôle principal est d'écouter, de soutenir et de guider mes clients dans leur parcours personnel de guérison et de croissance. Aujourd'hui, nous parlerons d'intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle est un contexte relativement récent qui a émergé dans les années 90. Elle se réfère à la capacité d'une personne à reconnaître, comprendre et gérer ses propres émotions, ainsi que celles des autres. L'intelligence émotionnelle se compose de 5 compétences principales. La conscience de soi, la régulation émotionnelle, la motivation, l'empathie et les compétences sociales. La conscience de soi est la capacité à reconnaître et comprendre ses propres émotions ainsi que leurs effets sur notre comportement et notre bien-être. Cette compétence est essentielle pour développer une intelligence émotionnelle efficace car elle permet de prendre conscience de nos forces et de nos faiblesses et de travailler sur ces dernières pour améliorer notre bien-être émotionnel. C'était Aïchatou Boakoumandelo pour Metanoia.